Âgée de 66 ans, l'ancienne numéro 1 mondiale a découvert être atteinte d'un double cancer de la gorge et du sein. CEST en novembre dernier lors des finales du tournoi WTA, l'association des joueuses de tennis, de Fort Worth, lieu de sa résidence, que l'américaine originaire de Tchécoslovaquie a remarqué une hypertrophie d'un ganglion lymphatique dans son cou. Alors qu'il ne se résorbait pas, une biopsie a été pratiquée. CEST à cette occasion que les médecins ont également diagnostiqué son second cancer du sein. Les deux infections étant en phase 1, la sportive lauréate de 59 titres de Grand Chelem en simple et en double entre 1978 et 2006 s'est toutefois voulue rassurante, « ce double coup dur est grave mais réparable », a-t-elle déclaré. « J'espère que l'issue sera favorable. Ça va plus pendant un moment, mais je vais me battre avec tout ce que j'ai », a-t-elle poursuivi. Le type de cancer est un HPV, papillomavirus, et celui-ci répond très bien au traitement, peut-on lire dans un communiqué. Un esprit combatif après avoir été intronisé en 2000 au sein de l'International Tennis Hall of Fame, musée sportif situé à Newport dans l'état de Rhode Island aux États-Unis, la championne retirée des cours de tennis en 1994 ne commentera pas l'Open d'Australie, qui doit se tenir du 16 au 29 janvier prochain, selon l'AFTA. Mais qu'à cela ne tienne. Elle espère pouvoir y participer par Zoom, comme l'a précisé le site de l'association. Un mental d'acier à toute épreuve puisqu'en 2010, Martina Navratilova a déjà vaincu un cancer du sein alors qu'elle était âgée de 53 ans. Elle a pleuré pendant 15 secondes et a demandé au médecin, « Ok, que faisons-nous? Quelle est la prochaine étape ?» La championne, qui est restée 332 semaines consécutives à la tête du classement de l'AFTA, commencera les traitements la semaine prochaine à New York, toujours selon l'organisation. Supérieur à Octobre Rose 2022, plus de 30 marques de beauté s'engagent dans la lutte contre le cancer du sein. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, agence, Bestimage.